omelette, jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. C'est ce monsieur le directeur? Oui, c'est lui. Est-ce que je pourrais lui parler? Oui. Rick, il y a un client qui aimerait te parler. À votre service? Voilà, je voudrais un petit déjeuner. Mais nous ne servons plus le petit déjeuner. Je sais que vous ne servez plus le petit déjeuner, Rick. Sheila vient de me dire que vous ne serviez plus le petit déjeuner. Mais pourquoi je vous appelle par vos prénoms? Moi, je vous connais même pas. Je dis encore monsieur à mon patron, ça fait 7 ans et demi que je travaille pour lui, mais voilà que j'entre ici, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, je vous donne du Rick et du Sheila comme si on était aux alcooliques anonymes. J'ai pas envie d'être votre pote. J'ai juste envie d'un petit déjeuner. Vous pouvez dire mademoiselle Folsen si vous pouvez. Sheila, nous ne servons plus le petit déjeuner après 11h30. Rick, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre l'expression « le client est roi » ? Oui. Ben voilà. Le client, c'est moi. Vous l'avez devant vous. Notre règlement est strict. À l'heure du déjeuner, il faut commander la formule déjeuner. Je ne veux pas de déjeuner. Je veux un petit déjeuner. Oui, mais vous m'envoyez désolé. Oui, mais vous m'envoyez désolé aussi. Non, pas de panique, pas de panique. Voilà, on se calme, tout le monde. Asseyez-vous là-bas. Monsieur, où allez-vous? Non, finissez votre déjeuner, revenez à votre place. Allons tout le monde, allons, on décompresse, on se détend. Eh bien, mangez messieurs, dames, je vous en prie, déjeuner, il vous faut vos vitamines A, B... Non, un accident, la détente est sensible, ça va aller, tout va bien, ça part tout seul ces trucs-là. Ça... Rick, je pourrais avoir un petit déjeuner. Tout de suite, Sheila.